ça part d'un quasi-burn-out que j'ai eu il y a quelques années, dans un travail qui ne me convenait plus du tout, dans des circonstances qui ne me convenaient plus du tout. Et j'ai eu envie vraiment de larguer les amarres, mais pas seulement au sens figuré, mais au sens propre. Et de partir le plus loin que je pouvais dans cette contrée qui fait un peu rêver tout le monde et qui est l'Antarctique. Donc c'est vraiment un continent qui me faisait rêver enfant. Et avec les années, non seulement j'ai appris que c'était possible d'y aller, mais que je pouvais y aller. Et donc je me suis fait un peu ce cadeau de faire deux croisières en Antarctique, juste avant le Covid, pour aller voir de l'autre côté de la Terre si ma place pouvait y être. Alors, à la fois par mes voyages et par mes centres d'intérêt, j'étais toujours attirée par l'extrême insularité, par les endroits vraiment désertiques, même hostiles, où l'être humain n'a rien à faire là-bas, et qui convoquent à la fois beaucoup de choses dans l'imaginaire, à la fois littéraire, historique. Dans le domaine de l'exploration qui m'a toujours fascinée, l'Antarctique, c'était quand même mille histoires en une, dans ce continent qui est hors norme en plus, où les échelles sont complètement défient en fait les chiffres et toute la science. Et j'avais envie de me confronter à ça. Donc je me suis confrontée à la fois à mes rêves d'enfant, à ces récits des explorateurs qui m'ont nourrie et qui m'ont constituée, en tant qu'auteur en tout cas, en tant que voyageuse aussi, et de faire en sorte de regrouper tout ça, cette passion, cette inquiétude parfois, parce que c'est le continent le plus hostile de la planète, et essayer de regrouper voilà, tout ça dans un récit de voyage. Ce voyage en Antarctique, c'était un peu une sorte de rêve paradoxal, où vous avez des images très prégnantes qui reviennent, des images, mais aussi des sons, des odeurs, les visages des passagers qui m'ont accompagné et qui m'ont tous raconté leur rêve d'Antarctique, qui regroupait un petit peu le mien, mais aussi qui allait dans d'autres directions, beaucoup plus, soit beaucoup plus terre à terre, soit carrément mystique. Donc moi qui me situe un petit peu entre les deux, entre la science et le rêve, ça m'a apporté cette certitude que voyager très loin pouvait répondre à la fois à une nécessité intérieure, à ce désir d'exploration, à cette envie de réaliser ses rêves d'enfant juste finalement en cliquant sur un ordinateur et en réservant sa place, mais aussi ce côté terre à terre auquel je tiens, parce que je suis peut-être une rêveuse, mais je suis aussi citoyenne du monde moderne, et de témoigner des choses que j'ai pu voir là-bas, comme le réchauffement climatique, qui est beaucoup plus visible là-bas qu'ailleurs, mais de faire en sorte que ce ne soit pas une alerte non plus catastrophiste, mais une invitation à regarder calmement, objectivement, ce qui se passe. C'est un paradoxe que j'assume totalement et dont j'ai parfaitement conscience, c'est que partir là-bas contribue, une empreinte carbone certaine et à une pollution certaine, et la compagnie maritime avec laquelle je suis partie en a fortement conscience aussi et s'efforce de limiter au maximum ces émissions nocives. Mais aussi on nous a dit à bord, et ça m'a marqué, maintenant que vous êtes ici, il faut que vous soyez des ambassadeurs de l'Antarctique, racontez ce qui s'y passe, témoignez de ce que vous avez vu. Donc j'ai à la fois envie de faire partager ce que j'ai vu et vécu, sans encourager non plus les gens à augmenter leur taxe carbone de façon exponentielle, et à voyager comme ça, à moindre frais et de façon plus écologique, et voir les merveilles que j'ai pu voir là-bas. Oui, j'avais très envie d'écrire, moi je voyage pour écrire, et j'écris pour voyager. Donc quoi de mieux que l'Antarctique pour conjuguer les deux. Donc je savais que j'allais écrire dessus, mais pas encore vraiment de quelle façon. Est-ce que ça allait être un roman ? Ça aurait très bien pu être un recueil de haïkus, parce que quand on se retrouve dans ces immensités blanches et glacées, cette pureté minérale est vraiment minimaliste, finalement ça se résume en quelques vers, et le haïku aurait très bien pu suffire. Mais j'avais un trop-plein à raconter, il y avait tellement de choses à raconter, à la fois l'exploration polaire, mes propres sensations, le portrait de mes compagnons passagers, voilà, qui m'ont tous raconté leur Antarctique,
la faune, à défaut de la flore, et bien sûr les grands exploits des explorateurs du passé. Tout ça constituait un tout qu'il fallait que j'englobe, et j'avais envie de tout raconter. Et pas seulement moi, petite particule voguant dans l'Atlantique Sud, mais vraiment c'est cet ensemble gigantesque qui fait le grand rêve antarctique.